Dernier point, mais qui est essentiel. Dernier axe, donc garantir une écoute active, un dialogue permanent, une présence terrain organisée régulière au cœur des quartiers de Belley entre les élus et les habitants durant tout le mandat. Donc ça va être très simple. On va mettre en place une commission extra-municipale qui va se réunir tous les 6 mois. On veut des référents de quartier. Ça, c'est important qu'on puisse dialoguer, et c'est un engagement fort, mais qu'on souhaite mettre en place. Tous les 6 mois, il faut qu'on se voit avec ces référents de quartier et faire le point. C'est-à-dire, tiens, la personne habite Sonneau, qu'est-ce qui se passe à Sonneau? Et s'il faut aller sur le terrain voir ce qui s'y passe, il faut qu'on soit en proximité avec les quartiers. Donc ça va être essentiel. On souhaite le faire sur toute la durée du mandat pour être toujours en proximité avec les problématiques des gens et des quartiers. Et ça va être sur un comité de pilotage avec des gens volontaires. On a des gens qui souhaitent se porter volontaires aussi dans les quartiers, des référents. Et ben, on va essayer d'identifier des gens qui ont envie de porter cette mission et animer ensemble ces réunions. Et j'aimerais aussi que ces réunions s'animent directement au cœur du quartier, que ça ne se fasse pas toujours à la mairie, mais au quartier de Sonneau, au quartier de Briac, au quartier, enfin tous les quartiers de Belley qui rassemblent du monde, à Tourneau et j'en passe, Château-Larron, voilà, où en plus on a des salles à disposition et on ira faire ces réunions directement au cœur des quartiers pour voir les problématiques. Voilà un petit peu le... J'ai essayé d'être rapide. Peut-être pas trop rapide. En tout cas, pour vous donner les différents axes qu'on a souhaité présenter ce soir. Tout ça va être peaufiné, ça va être remouliné. On va rentrer après dans le détail avec le programme qu'on vous présentera au mois de janvier. Il y a des choses ambitieuses. Il va falloir aussi maintenant parler un peu finance. C'est pour ça que je